Tu t'es laissé emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Alors vas-y. Tu veux que je te frappe ? Je veux que tu essaies. Tu peux lui mettre une claque s'il n'arrive pas ? Aïe ! Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça ? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête ! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit ! Encore ! Cette colère, tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'est quoi ça ? Silence. Sors de là ! Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus, sous le plancher. Allez! Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu sais qui c'est? Je n'en sais rien. De quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée. Rentre là-dedans. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang. Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Tu es bien loin de chez toi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages. Tellement meilleurs que nous, tellement plus brillants. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale lâche. Tu es sûr de vouloir te battre? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Ah! Chez moi. Oh. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Je t'avais prévenu. Enfin. Tu aurais dû écouter. Et qui c'est celui-là? Ah, je suis terriblement déçu. Allez, amène-toi. J'm'ennuie.
ce que je veux savoir et je te laisserai tranquille. Pourquoi est-ce qu'il y a de lit ici? On dirait. Qui est-ce que tu caches? Tu es vieux et lent. Tu n'aurais pas dû venir en garde. Bien. On remet ça? Tu parles trop. Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace. Quoi, ce roi des fils de pute? Bah, il essaye de tuer mon fils en plus, donc. Autant dire que ça va m'énerver vite, quoi. Enfin, joli atout pour le décor. Mais bon, il va forcément en sortir, donc. Ugh.
Je vous laisse simplement me dire. Oui, toi. Il a fallu que tu fasses le malheur. Tu viens de frapper en temps, petit vin. Je reviendrai. Ton corps va finir par lâcher. Mais avant que je m'achève, il y a une chose que tu dois savoir. Je ne sens rien. Rien. Tu l'as vu de tes propres yeux, tu ne peux pas me blesser. Je suis invulnérable. Ce combat est inutile. Tu as perdu d'avance. Nous aurions pu éviter tout ça. Pas des... Tu ne peux pas gagner. Je ne sens rien. Mais toi, tu sens tout. Et pourtant, tu continues à chanter. Je suis pas comme mon frère. Si tu m'avais donné ce que je voulais, on n'en serait pas là. Mais non. Finissons-en. Il ne peut pas me battre. Allez. Je ne sens rien. Coupe lui les bras, coupe lui la tête, fais quelque chose. Et là, tu le coupes avec ta hache, tu le coupes en petits morceaux. Allez.
Qui était-ce? Il savait qui j'étais. Est-ce qu'il connaissait mon passé? Comment m'ont-ils trouvé après tout ce temps? Faye, qu'est-ce que je dois faire? Notre fils n'est pas prêt à porter des cendres au sommet de cette montagne. Je me demande c'est qui la femme de Kratos du coup. Et moi non plus. Je ne sais pas comment y arriver sans toi. Avec tout ce bruit, j'ai cru que... Tu n'as rien? Je vais bien. Bien. Prends tes affaires. Nous partons. Je croyais que j'étais pas prêt. Tu ne l'es pas. Mais nous n'avons plus le choix. Prouve-moi que j'ai tort. Oui, père. La montagne. Ça va être un long voyage. Oui. Mais c'est important. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'était? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous voulait? On n'a rien de spécial. Tu l'as tué? J'ai fait ce que j'avais à faire. Il est tellement pas mort à mon avis. J'aurais pu mourir. Ne me laisse plus jamais seul, d'accord? D'accord. T'as déjà tué des hommes avant, n'est-ce pas? T'as l'habitude. On fait ce qu'on a à faire pour survivre. Hey, salut Dishonored, je commence. On les mange. Les drogards, ils sont censés être morts. Mais les hommes, ils essayent de survivre aussi. Tu dois fermer ton cœur. Au cours de notre voyage, nous devrons affronter de nombreuses créatures. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux, ils n'en auront pas pour toi. Pire conseil paternel au monde. Il y a un truc bleu qui brille en haut. Tu veux bien m'aider à monter là-haut? J'aurai une meilleure vue. Que des bonnes idées. Pam pam pam.
Je te laisse alors, moi j'ai fini le jeu, alors je vais te laisser profiter. Mais un conseil, utilise souvent Atreus. Ok, je te remercie. Et puis bah, continue à t'amuser. Hein. Fais-toi plaisir. Allez, d'un saut, tu montes là-haut. C'est bon. Atreus. Oui, père. Oui, pareil, pareil. Tu crois que c'est pour les offrandes ? Maman disait que les disciples d'Odin les remplissaient de cadeaux et les accrochaient hors de portée des voleurs. Celui-ci a l'air très vieux. Stupide. Quoi ? De vénérer les dieux ? Les dieux n'ont que faire des offrandes. Et les hommes ne devraient pas vénérer des monstres. Et comment tu sais ça, papa ? C'est la première question qu'il devrait se poser. Attends ! Comment tu vas traverser ? Bah, je vais rentrer. Je vais rebaisser le pont parce que je suis con et je l'ai remonté, mais sinon ça va. Hein. Du coup, si je relève le pont quand je suis dessus, ça fait quoi ? Ok. On va dire que c'est mon poids qui le remet. Des gens sur la route ? Oui. Gentil ? Non. Ils essaieront de nous détrousser ? Peut-être bien. Et on va les tuer ? Ah d'accord, il vise là où je lui dis, d'accord. C'est très très pratique, je pense. Regarde. Depuis tout ce temps, la forêt tout entière était protégée par un symbole. Mais... le symbole est brisé, là. C'est toi qui les as coupés. Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça ? Viens. Trop tard pour les regrets. Trop tard pour penser à ta mère.
Kitty, combien de temps on va mettre pour atteindre la montagne? Je ne sais pas. On y sera avant l'hiver? Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Il nous voit pas. Je tire. Attends mon signal. Est-ce qu'on va les attaquer? Tu crois ou t'es sûr? Je t'ai aidé? Si tu veux m'aider, fais diversion. Distrais ceux dont je ne peux pas m'occuper, mais uniquement si c'est sans danger. Je peux le faire. Cette idée d'accrocher des trucs en l'air. Atreus. Viens. Il y a un campement de yotnars là-bas. Des yotnars? Des géants. Tu sais lire ces inscriptions? Certaines. Uniquement les langues que maman connaît. Les yotnars avaient un campement ici.
Déjà, si près de la maison? Et il y a combien de temps? Mais elles se ressemblent toutes, alors parfois j'arrive à comprendre, même si je les ai pas apprises, tu vois. Je sais pas c'était qui ta mère, mais ça devait être quelque chose, hein. Tu n'as pas le temps! Espace tes tirs, la vitesse te fait perdre en précision. Compris. Mais ça c'est à moi qu'il faut le dire, c'est moi qui lui ai dit de tirer. Tu vas me dire, ça permet d'apprendre des infos sans les apprendre. Donc le truc qui est sympathique. C'est une explosion d'énergie pour interrompre, pour renverser toutes les ennemis à proximité. Équiper des gemmes d'attaque, ah, d'accord. D'accord, et après il faut prendre de l'XP pour augmenter les attaques. Okidoki. De ce côté, ça fond un peu. Vas-y. Merci. Voilà la montagne. Allons-y. Attends. Ça craint rien. Tu vois? Ah! Aide-moi. On bouge pas. N'oublie pas, la précision avant la vitesse. Laisse-moi
continue comme ça. C'était le dernier. C'était mieux. Prends encore plus ton temps. Peu importe si tu ne tires qu'une fois. L'important, c'est la maîtrise. Ouais, l'important serait peut-être de récupérer mes vies surtout. Lila. Oh, c'était une sorte de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Regarde! Là-haut! Quelque chose brise le mur! Il y a quelque chose derrière le mur! Et pourtant, il y en aura encore plus après. Regarde, il y a une ouverture là-haut. Oh, tu entends? Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne t'éloigne pas. On s'approche du champ bizarre alors. Oh.
les flèches. Tire. C'est pas mon truc hein, quand même. Hein. J'ai peut-être mis le difficulté normal, j'aurais peut-être pas dû. Hein. Pourquoi cet homme t'a attaqué devant chez nous? Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas non plus. Alors c'est comme ça qu'on descend. Ça va? Ça non, attends! Humiliation sur 20. Ah, ils me remettent mes vies. Dommage. J'aurais bien essayé le combat sans mes vies, tu vois. Alors, c'est comme ça qu'on descend. Ah, un coup, hein. Ça pouvait passer, hein. Qu'est-ce que c'est? Une minute. Et si les revenantes se déplaçaient pas seules, et qu'il y en avait tout un groupe qui nous attendait là-haut, et qu'elles étaient vraiment en colère? Atreus. Pardon, j'ai trop d'imagination. Oh non, mais c'est surtout que s'il y en a vraiment tout un tas, on est mort. Hein. Vu le combat que je viens de mener... là-haut.
C'est vrai qu'on peut le faire tirer à notre place. Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais comment ? Suis-moi. Plutôt, t'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris? Mais... je peux me battre maintenant? Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout. Ah, il va vraiment falloir apprendre à se battre. On va pas tout pouvoir passer par la chance. Regarde là, un autre. Ça dit que son nom est Rungnir. Ner m'en avait parlé. Un guerrier géant fait de pierre. Il la prépare à une grande bataille, on dirait. Odin est là, Kitor, et même le Serpent Monde. Oh, Thor a dû lui fracasser la tête, tu vois? Mais là, il est écrasé sous le corps de Rungnir. Idiot.